vérité, je regarde les épisodes et franchement, j'ai même pas envie de les clasher. Tellement en fait, c'est ridicule. Je sais, là-bas sur place, c'était, il y a des moments où c'était pas facile. Là, je me rends compte que je me faisais vraiment défoncer n'importe quand, gratuitement. Genre là, il trouve que je suis pas assez jaloux avec Alexia. Juste, j'ai pas le droit d'avoir confiance en ma meuf. Enfin, ouais, Ok. À croire, ils m'ont connu en couple alors que ils disent tout le temps que je suis toujours célibataire ou que je fais n'importe quoi. Ok. Le pire, ce que vous voyez pas, c'est qu'ils me reprochaient d'être toute la journée dans ma chambre avec Adixia. À tel point de me dire, ouais, Ilan, tu vas voir, on va pas te voir dans les épisodes, t'es tout le temps dans ta chambre avec Adixia. Tu sais, parce qu'ils ont tous un peu une guerre d'ego à qui on va voir le plus à l'écran, tu vois. Moi, je m'en bats avec, je dis la vérité, je m'en bats avec. Et ils me disaient ça, genre, ouais, on va pas te voir. Alors que je vous dis la vérité, au final, j'ai regardé tous les épisodes. Il y a deux épisodes où on me voit pas trop. Et tout le reste, je suis bien présent. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit les faire chier d'ailleurs, je pense. Ça doit les faire chier. Vous me connaissez, je suis pas le mec qui va s'énerver pour rien ou qui crie. Mais là, quand je me vois, je me dis quand même, t'aurais pu t'énerver un coup là et dire ce que tu pensais vraiment, tu vois. Ouais. J'ai remarqué un truc, les amis, c'est que quand quelqu'un vous fait des problèmes ou il vous critique, c'est même pas qu'il est en dessous de vous, c'est que lui se sent en dessous de vous. Et si vous êtes jalousé par ces gens, c'est la seule raison, complexe d'infériorité, manque de confiance en soi. La jalousie, tout simplement. Parce que t'as vu, moi, je suis jaloux de personne, je m'en fous. J'ai jamais dit, je suis mieux que lui. Combien de personnes ils ont dit, moi, je suis mieux qu'Ilan. Moi, j'ai rien à prouver, je sais qui je suis. Les amis, dans la vie, une personne qui est au-dessus de vous ou qui fait plus que vous, elle vous critiquera jamais. Seulement l'inverse. Ça, c'est réel.